Hocus pocus in the place to be. Percussions. Salut tout le monde et bienvenue pour cette brève vidéo qui va être assez rapide et qui va me permettre de m'introduire moi et de présenter mes projets pour la chaîne de la team. Alors tout d'abord qui je suis Stal, je suis un membre de la team SOFG depuis un petit moment déjà, depuis 3-4 mois on va dire. J'ai 17 ans et mes projets pour la chaîne ça va être de vous présenter et de faire des tests de jeux qu'on appelle les free-to-play. Les free-to-play vous connaissez je pense, ce sont des jeux qui sont gratuits à télécharger, vous pouvez commencer à jouer dessus gratuitement. Le problème de ces free-to-play, c'est que dans ces jeux, il y a deux monnaies. La monnaie virtuelle, que vous gagnez en jouant au jeu, et la monnaie réelle, que vous pouvez approvisionner seulement avec 2 euros ou des dollars si vous êtes aux States et tout ça. Et donc, mon but, ça va être de les présenter, hein, niveau graphisme, jouabilité, tout ce qu'il y a de plus simple, mais aussi de vous faire trancher et de dire si c'est un free-to-play ou un pay-to-win. Ça va être ça le but principal de mes vidéos, de dire si ce jeu est une arnaque ou pas, en gros. S'il vaut la peine d'y jouer, s'il est accessible à un maximum de personnes, ou si au contraire vous serez obligé d'y investir de l'argent si vous voulez accéder à un maximum de contenu et pas vous faire poutrer par vos adversaires. Et je donnerai une petite note qui sera assez subjective, hein, mais ça sera pour vous faire une idée. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. C'est vraiment très rapide, hein, mais c'était juste pour me présenter et présenter mes projets. Donc voilà, c'était Stal, écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, et je vous dis à la prochaine, salut !